Avant de regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitch, le lien de mon Twitch est dans la description. Donc je vous dis merci. A few moments later. Welcome back les gamers et les gameuses, c'est Bazu, comment ça va? On est de nouveau sur Phobia pour la suite de l'aventure. Donc si vous vous rappelez bien un petit peu dans l'épisode précédent, on avait récupéré un super canoncier comme ça qui est magnifique. Et on avait battu notre premier boss, une espèce de grosse araignée assez dégueulasse. Et on a réussi à lui plomber les fesses. Donc on avait récupéré une espèce de clé, je crois. Donc on va aller voir au premier étage si ça ouvre ça. Donc c'est parti, on y va. La fourche, le Y et le N. Ok. Alors la fourche, le Y. Alors est-ce qu'il y a un seul Y? Ouais. L'espèce de N. Ok, ça doit être ça. Oula, ça couine les portes. Ok, on va voir si on peut déverrouiller l'autre porte. Est-ce que c'est une... Ok, c'est une 3 aussi, donc Y, E et Pi. Ok. On va la déverrouiller aussi. Alors... Donc là, c'était le Y. Attends, c'est ça le Y? Ouais, on va dire que c'est ça. Le E et le Pi. Ok, good. Alors, est-ce qu'on a des petites balles là-dedans, les amis? Attendez, il y a peut-être un truc là. Ah non. C'est juste une prise de merde. Ok, donc là, il y a un ennemi qui est complètement à sec. C'est le premier que je comprends pas. Je comprends que tu as bien. Ça fait tac, 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 tac. Ok, c'est bon les amis. J'ai trouvé le code. Donc il nous ouvre un bout de la porte. Ok, et on va les faire pareil de l'autre côté. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est une énigme avec les tableaux. Donc il faut lire ce qu'il y a écrit là. Une fois à l'intérieur de mon château, j'ai commencé à méditer. Alors, donc, château, ok. D'accord, donc ça fait le premier là-bas. Étais-je dans mon confort avec une famille proche et de nombreux employés satisfaits et habitués à la belle vie? Donc ça te saute des riches. Donc ça ferait celui-là. Ah. Peut-être celui-là, ok. Après avoir discuté avec deux fidèles, amis de longue date, je me suis souvenu que je pourrais toujours faire confiance à Dieu parce qu'il avait toujours écouté nos prières. Donc ça fait ça. La même nuit, j'ai prié pour obtenir un signe et un ange. Ok, non, donc c'est sûr. J'ai rassemblé mes amis, je suis parti faire face à la mer et à ses tempêtes. Ok. Donc ça ferait ça et ça. Yes! Ok, on est good les amis. First try. On a trouvé l'ouverture. Donc là, on peut ouvrir. Donc c'est X, Y et le B. Alors, X, Y et le B. Ok. Ah bah voilà, on a trouvé le bureau. Le beau petit bureau.
Ok, là il faut un truc à 4 à 4 machins de clé là. Alors déjà on va prendre ça. Ok. Alors les sujets se sont échappés et envahi l'hôtel, c'est bien. Hein? Double clic pour ouvrir. Ah ok. Oh putain, d'accord, il faut double-cliquer là. Ah putain, attends, il y a un truc là-dedans. La chambre qui m'était assignée était la 709. Ok, nous avons été attaqués pendant que nous descendions et j'ai perdu le groupe de vue. L'escalier du bloc B est couvert de gravats. J'ai dû traverser vers le bloc A en passant par le cinquième étage. Il devrait y avoir une autre carte d'accès dans le bureau que vous pouvez utiliser pour arriver jusqu'ici. Que vous pourrez utiliser pour arriver jusqu'ici. Je suis actuellement en troisième étage, chambre 303. Si jamais je devais m'enfuir à nouveau, je laisserais la clé de la chambre 709 ici. Vive le principal arbitre. Ok. On peut fermer ça? Ok, attends, il y a des documents ici. Photo 1. Ok, on voit rien. On voit pas grand-chose, du moins. Photo 2. Ok. Et photo 3. Ok, bon bah on voit pas vraiment. Damn it. Of course they decided to hide it on the opposite side of the hotel. On voit pas forcément grand-chose, les amis. I have to find a way to get down there. Ok, donc l'objectif, ça va être de descendre là-bas. Alors, du coup, ok, on a des cartouches, ça c'est bien, petite cartouche. Alors, au directeur, hein, tous les mots de passe du bloc A sont disponibles dans le document. Ok, ça c'est un document qu'il faut qu'on marque, parce qu'on aura besoin sûrement d'y aller. Et on a une carte bleue. Et mon inventaire est plein, nice. Ok, on va prendre la carte rouge, les amis. On va aller déverrouiller une des portes où il y avait un code. On va quand même aller au sixième. On va aller au sixième étage. Alors, donc c'est merde, c'est pas cette porte. Ok, c'est cette porte. Alors, par contre, je sais plus le code. Donc, on est au sixième. 775 492. Ok. 775 492. Yes, good. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a encore une amélioration d'armes ici. D'accord, là. On a un cadenas, pardon. J'arrive pas à trouver le mot, un cadenas. Est-ce qu'on peut ouvrir de ce côté? Ok, on peut pas ouvrir de ce côté, c'est bien dommage. Alors, est-ce qu'on a un truc là-dedans? On va regarder avec notre appareil photo. Ok, on peut toujours pas l'ouvrir. Ok, là on peut pas ouvrir non plus. On a un tableau, deux tableaux. Ok, et eh ben les amis, on va se laisser ici, hein. Donc, on ira à la chambre 303 comme c'était indiqué dans le prochain épisode. Donc, je vous dis à la prochaine!